ce qu'ils vont cuisiner cette fois-ci? Découvrons-le dans le nouveau défi culinaire d'Olala. Oh là là! Tout d'abord, je veux un croissant. Le croissant a l'air délicieux, mais comment le faire cuire? Grand-père et la chef ont déjà de la pâte. Il est grand temps que je me mette à cuisiner, moi aussi. C'est quoi ça déjà? Ah oui, farine, des œufs. On mélange le tout. Ah, c'est tellement collant. Il me faut un plan B. Oh, exactement. On dirait que mon téléphone sonne. Allô? N'en dis pas plus, tout sera bientôt prêt. Mon croissant est déjà cuit. Je vais l'enrober d'un délicieux sirop de sucre et ajouter un peu de garniture pour le décorer. Oh, grand-père! Ne me fais pas bouger! Mon iPhone est tombé directement dans la pâte! Oh non! Oh, les adolescents et tous leurs problèmes! Quand j'avais ton âge, il n'y avait pas d'iPhone du tout! Ok, mon croissant au raisin sec est presque prêt. Hé, regarde! Mon délicieux croissant est cuit, il ne me reste plus qu'à ajouter la garniture. Le cream cheese au baie sera la meilleure option. Je vais cacher la découpe avec des pépites de chocolat. Et le tour est joué. Voilà mon croissant. Merci beaucoup. Il est magnifique. Ça sent très bon. Mon minuteur indique que le croissant est prêt. Il est si chaud! Je vais le décorer avec un peu de sucre en poudre et il pourra être servi. Achou! Oh, ça me chatouille le nez! Achou! Oh non! Mon croissant! On dirait un pain plat maintenant! Ça t'apprendra à tricher! Roxy, on est prêt! Eh bien, regardons! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tout plat. Mais il a plutôt bon goût. Le suivant vient de grand-père. Un peu moins bon que celui de Lola, mais il est bon quand même. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Mmh, wow! C'est délicieux! Il n'y avait aucun doute. Mmh, je sais. Je veux des chips. Ah, c'est facile. Si je ne me trompe pas, j'ai besoin de pommes de terre. Est-ce que j'ai besoin d'un couteau pour les éplucher? Non, merci. C'est l'ère du numérique. J'ai un épluche-légumes électrique. Délicieux. Wow, regarde là. Toutes ces pommes de terre, c'est trop ennuyeux. Je vais faire des chips à partir de tortillas. Ou tout simplement des nachos. Original et savoureux. Les triangles de maïs sont prêts. Il ne me reste plus qu'à les faire cuire. J'utiliserai cette poêle à frire. Grand-père, occupe-toi de ton plat. Oh, je m'en fiche. Depuis quelle heure est-il interdit de regarder tes nachos? Mes chips sont trop épaisses. Oh, ça ne me dérange pas. Je vais lire un livre pendant qu'elles sont en train de cuire. Comment puis-je couper ces pommes de terre finement? J'ai une idée, tu vas avoir besoin de ça. Mettons les futurs chips sur la poêle et ajoutons quelques épices. Mes délicieux nachos sont presque prêts. Un peu d'épices, mais il manque encore quelque chose. Exactement, la sauce au fromage. Le fromage et les nachos sont une combinaison parfaite. Mes chips sont prêtes aussi. C'est quoi cette odeur? Grand-père, ça brûle! Oh non! Mes chips! Oh non, je les ai gâchés! Roxy, on est prêts! Qu'est-ce que c'est? Je vais pas manger des braises. Quant à ces triangles, je les goûterai avec plaisir. Ça aurait pu être mieux. Et toi, Lola? Waouh, c'est délicieux! Maintenant, c'est l'heure du bagel! Qu'est-ce que c'est? Chef, à l'aide! Ok, regarde bien. On coupe un petit pain en deux morceaux et on fait des toasts. Maintenant,
Prenons la garniture. Je vais prendre un bagel avec du bacon. Ok, c'est comme un sandwich d'une forme inhabituelle. Je vais faire un bagel avec mes légumes préférés tout droit sortis de mon jardin. Que des aliments sains comme du concombre, des oignons, des tomates et un avocat. Ma petite fille adore ça. Elle dit que c'est très populaire maintenant. Maintenant, on coupe le pain comme le chef l'a montré et on met tous les ingrédients à l'intérieur. En effet, ma petite fille nous a confié une tâche difficile. Elle trouve toujours quelque chose sur le net et me fait ensuite cuisiner pour elle. En ce qui me concerne, un œuf sera une garniture parfaite. Prêt ? J'espère que ma petite fille appréciera. Les petits pains ont bruni, il est grand temps de tout combiner. Mettons du bacon frit et quelques tranches de fromage à l'intérieur. La touche finale, un morceau d'or comestible. Ce bagel ressemble à un beignet. Pourquoi ne pas faire un bagel sucré? Je prendrai du délicieux Nutella comme garniture et j'enduirai mon bagel avec soin. Prenons maintenant du chocolat blanc. Roxy adore ça. Je mets les morceaux sur le dessus et voilà, mon bagel sucré est prêt. Je meurs d'envie de tous les essayer. Le bagel de grand-père a l'air bizarre, mais il y a un avocat dedans. J'aime pas ça. Chef, qu'est-ce que tu as? Le bacon et le fromage sont une bonne combinaison. C'est délicieux. Le bagel de Lola est le plus original. Ok, je vais essayer. Très savoureux. Lola, tu as gagné. Maintenant, j'ai soif. Faites-moi du jus de fruits. Et la plus jeune d'abord. Je choisis les ingrédients en premier. Je vais choisir au hasard. Regarde ce que j'ai inventé. Elle a pris des poivrons. Allez, va cuisiner. J'ai vraiment pas de chance. En effet. Ok, as-tu commandé du jus de fruits? Je vais faire son préféré, le jus d'orange. Cuisiner avec un seul ingrédient, c'est trop facile. Je vais préparer un smoothie aux fruits pour Roxy. Je me demande quel goût aura le jus de poivron. Peut-être que ce ne sera pas si mauvais que ça. Il faut que j'essaye d'abord. Je vais pas faire ça à main nue. J'ai la chance d'avoir une centrifugeuse cool. Grâce à elle, je vais rapidement préparer ma boisson. C'est assez difficile, j'ai besoin de main forte. C'est prêt. Ça sent quand même un peu bizarre. Le jus est dans le verre. Même s'il n'est pas très savoureux, je peux quand même en servir. Nos goûts sont définitivement différents. Il n'y a rien de plus utile que mon presse-agrumes. Un peu d'effort et mon jus est prêt. Prenons un verre et versons avec précaution. Délicieux. On met une paille et c'est prêt. Mes fruits sont écrasés uniformément, alors ma boisson est aussi prête. Je vais ajouter un peu de sucre en poudre. Parfait. Roxy, essaye. Waouh, ils sont si différents. Je vais commencer par le rouge. C'est dégoûtant, c'est vraiment horrible. Ça a l'air bizarre. Non, j'aime pas ça, c'est trop épais. Grand-père, j'espère que tu ne me décevras pas. Oui, c'est exactement ce que je voulais. Grand-père gagne. Je veux... du pop-corn. C'est facile. Pop quoi? Oh, j'ai compris. Regardez ce que ma petite fille a fait.
Moins de paroles, plus de cuisine. Hé, il n'y a plus de casserole. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, j'ai une idée. Je vais avoir besoin de mon Coca-Cola préféré. D'abord, il faut que je le boive en entier, évidemment. C'est fait. Maintenant, on va prendre un petit couteau pour découper quelque chose de spécial dans la canette. On va mettre une bougie à l'intérieur et voilà. On a un réchaud pour du pop-corn. Il ne nous reste plus qu'à mettre les grains de maïs à l'intérieur. Génial! Il faut que j'attrape tout le pop-corn, sinon il va s'éparpiller. Et voilà, c'est délicieux. Allez, pas besoin d'applaudir, c'est à toi maintenant. Ok, c'est parti. Je vais préparer du pop-corn sucré pour Annie. Et ses bonbons au caramel feront l'affaire. Je vais les mettre dans la poêle avec des grains de maïs et attendre un peu. Mon délicieux pop-corn au caramel est prêt. C'est délicieux. C'est cool, mais j'ai une meilleure idée. Je vais faire du pop-corn multicolore pour ma petite fille. Avec les grains, je vais mettre des grains dans la casserole. Waouh, ça explose tellement, c'est drôle. Super, ma petite fille va adorer. Awesome. Yummy. Ça a l'air très intéressant. Eh bien, il faut que je le goûte. C'est parfait. Et bats les pattes, ce n'est pas pour toi. Enfin, par où commencer? Je vais essayer ça. Oh non, oh, ça n'a rien de savoureux. Ce n'est même pas salé. Celui-là a l'air plutôt bon. Je vais essayer. Trop bon! Cool! Qu'est-ce que c'est que ça? Du pop-corn coloré? C'est délicieux! Mamie, bien joué! C'est délicieux! Maintenant, j'ai envie de sushi. Des sushis? Ah, quel drôle de nom! Qu'est-ce que c'est? Je peux en faire. Attends, c'est mon poisson! En premier, je vais couper le poisson en morceaux. C'est pas si facile. Rien de difficile, regarde ici. C'est amusant, mais je n'ai toujours pas de poisson. Chérie, je peux t'en emprunter? Non! Ok, mamie, tu peux partager un morceau? Tu peux rêver! Qu'est-ce que je vais faire alors? J'ai une idée. Je vais pêcher moi-même. Je vais pêcher! Eh bien, cet endroit a l'air sympa. Hé, hey, les poissons, venez, petits et grands. Plus c'est gros, mieux c'est, bien sûr. Oh, qu'est-ce que c'est? Une boîte de conserve? Non, j'en ai pas besoin. Ok, je vais essayer encore. Quelque chose mort! Hé, hey, qu'est-ce que c'est? Les vieilles bottes de quelqu'un! Oh, quelle horreur! J'espère que j'aurai de la chance la troisième fois. J'ai attrapé quelque chose! Enfin! Hourra! Maintenant, je vais aller préparer les sushis pour ma fille. Oh, j'ai du riz partout sur moi! Oh, t'as vraiment attrapé quelque chose? Je n'en reviens pas. Évidemment, t'avais des doutes. Il est grand temps de passer au fourneau. Voici les tranches idéales pour des sushis. Regarde, c'est comme les tiens. Comment t'as fait? J'ai presque fini. Je vais faire un gros sushi et ma petite fille sera contente. C'est fait. Comment t'as fait pour terminer aussi vite? Rien ne me réussit. Ouf, faut que je me calme. Quoi? Mon plat s'est transformé en braise. Regarde-toi. Voyons ce que tu as préparé. Ils ont l'air attirants. Sauf ceci. Je préférerais goûter à cela. Ces sushis sont superbes. Et ils sont délicieux. Bien joué, papa. Waouh, quel gros sushi. Oh, je vais le goûter. Comment faire? C'est vraiment pas pratique. Je vais éviter. Non. What? Alors,
Nous avons le gagnant. Papa, félicitations. Waouh. Maintenant, j'ai envie d'une glace. Oh, je sais ce que tu vas aimer. Je vais faire de la glace avec des Oreos. Excellente idée. Le plus important, c'est le marteau. Chérie, tu vas bien? On dirait qu'il est devenu fou. Détends-toi, tout est sous contrôle. J'ai utilisé le marteau pour écraser les biscuits. Il ne nous reste plus qu'à les mettre dans un verre. Hé, ne t'approche pas de moi. On va prendre du lait et le verser sur les biscuits. Ensuite, on met un bâton. C'est primordial. Et voici l'étape principale, la congélation. Je vais manger quelques mentos à la menthe pour geler le verre avec mon haleine froide. C'est fait! Chérie, tu es si intelligent! C'est à mon tour de t'étonner. Je vais prendre des baies fraîches de mon jardin. Mamie a les meilleures. Maintenant, il faut les écraser avec précision. Je vais avoir besoin de mains solides. Une paire de gants de boxe serait un bon choix. Allez, mamie! Attention, fraise! Et toi, myrtille! Maintenant, tu vas voir! Prends ça! C'est tout, je suppose. Et alors? La boxe, c'est mon hobby. Maintenant, on a du jus de baie. Je prends une douille et un glaçon, et c'est magique! On aspire un peu de jus et on remplit le glaçon avec. C'est simple et savoureux. Allez Lola, à toi de jouer. Ok, je vais faire ma glace à la vanille. Je verse un peu de crème dans le verre et fais fondre le chocolat. Oh, le chocolat, j'adore. Pas si vite, c'est pas pour toi. Je vais incuber le chocolat au bain-marie et mettre la crème au congélateur. Lola est partie. Mamie dort, je vais essayer un peu de chocolat. Personne ne le remarquera. C'est délicieux. J'en veux encore. La crème est gelée. Je n'ai besoin plus que de... Hé, touche pas au chocolat. Tu vas tout manger. Je suis partie un instant. On va continuer. Je dois tremper la glace dans le chocolat. Et voilà une barre de glace. Maintenant, je vais ajouter une garniture colorée. Et c'est prêt. Cool. Hé, mamie, on a encore un défi à relever. Par où commencer? Ça a l'air pas mal du tout. Essayons. Délicieux. Qu'est-ce qu'on a là? On dirait de la glace au baies. Cette glace a l'air bien aussi. Et elle est encore meilleure. C'est mon Oreo préféré. C'est tellement difficile de choisir. Pourtant, je choisis toujours la glace à l'Oreo. Bien joué, papa. Waouh! Je veux de la pizza! De la pizza? Ok. Nous pouvons le faire. Si tu le veux vraiment. Alors c'est parti! Je vais d'abord tremper mes mains dans de la farine pour que la pâte ne colle pas. Oh! Je regrette de ne pas l'avoir fait. Tu peux être plus prudente. Passons à la pâte. J'étale comme dans les meilleurs restaurants italiens. Bravo! C'est parti, c'est simple. Oh, il semble que j'en ai trop fait. Oui, un peu. La pizza a besoin d'une bonne sauce. Je vais prendre des tomates. Que faites-vous, jeune homme? Oh, quelque chose ne va pas. Maintenant, je vais te montrer comment cuisiner. Où est-ce que tu as vu une pizza sans fromage? Il nous en faut plus. J'aurai le meilleur plat. Oh, j'ai une idée. Regarde, grand-mère, il est tard. Tu as raison, il est l'heure du tard. Comment est-ce que je peux t'avoir? Oh, et qu'est-ce que tu fais? J'essaye de récupérer la pâte. Hourra, j'ai réussi. Oh, je ne vois plus rien. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Un fantôme! Prends ça! Ouf, c'est bon. On va continuer à cuisiner. Oh, Nick, tu as pris ma pâte. Merci. Ok, maintenant je vais ajouter de la garniture au pepperoni sur ma pizza.
Je la répartis uniformément sur la pâte. Et quelques tomates sur le dessus. Mettons-la au four maintenant. Ma pizza est la meilleure de toute façon. Ok, mettons-les au four. J'aimerais qu'ils soient bientôt prêts. Notre fille s'énerve. Ah, quoi? Qu'est-ce que je suis... Attendez, on a fini? Et ma pizza? Par où commencer? Qu'est-ce que c'est? C'est pas une pizza, mais une pâte! Ah, c'est dégoûtant! J'aime pas ça! Et ça? Ça a l'air bon! Et ça a un bon goût! Bon travail, maman! Qu'est-ce que c'est? Essayons! Il y a tellement de fromage! Comme j'aime! Mamie, tu es la gagnante! Je le savais! Merci, ma chérie! Peu importe ce que vous cuisinez et comment vous le faites, du moment que vous aimez ça, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à Oh là là pour ne pas manquer d'autres défis amusants!